Yo tout le monde, aujourd'hui, ça y est, Mlikid, nouvelle vidéo sur la carte de Andy Delors qui vaut 85 000 crédits sur Fitbin et qui reste 30 jours. Vous avez vraiment le temps, du coup, il reste un mois. On va parler de cette carte. Voilà, POTM Ligue 1. Du coup, voilà, il allait élever en attaque, élever en défense. Tu t'en fous, élever en défense parce que c'est un buteur. Il fait 1m81, c'est pas mal du tout. 3 de gestes techniques, 3 de mauvais pieds. En vrai, c'est dommage qu'il a 3 de gestes techniques. C'est dommage quoi. Dommage qu'il a pas 4, mais à vrai, c'est jouable. C'est encore jouable, les gars, donc voilà. Caractéristique, il a le coup franc puissant, tir de loin, extérieur du pied. C'est très très bien, il a l'extérieur du pied. Du coup, voilà. Niveau vitesse, bah, très bien. Accélération, vitesse, ça manque pas. Franchement, pas mal du tout. Après niveau tir, bah, il a le passement offensif, finition, il a puissance de tir aussi, tir de loin aussi, bah, niveau tir c'est très très bien, faut pas améliorer son tir. Niveau passe, il a la vista, il a la passe courte, il a pas la passe longue. En vrai, moi je dirais sur cette carte ça manque de passe les gars. Pour l'instant ça manque de passe. Niveau dribble, bah, ça manque d'agilité, équilibre. Réactivité aussi, conduite de balle et dribble. Niveau bah, passe et dribble pour l'instant ça manque. Niveau physique, bah, très bien. Il a la détente, il a l'endurance, la force et l'agressivité. Du coup, il tient tout le match. Du coup, comme style que je vous conseille à lui mettre, moi je vous conseille de lui mettre moteur. Comme ça peut augmenter sa vitesse, pourquoi pas. Et son niveau passe et son niveau dribble parce que. Pour moi, il manque de passes et de dribbles, les gars. Donc voilà. On va parler du défi pour récupérer cette carte-là. Du coup, voilà. Il faut un joueur Ligue 1 Hubertit, un joueur équipe de la semaine minimum 2. Il faut 2 joueurs équipe de la semaine. Il faut une note générale équipe 84 et un collectif 80, les mecs. Et après, vous finissez ce défi-là pour 80. C'est combien? 85 000 crédits. Et vous récupérez Andy Delors. Moi je conseille parce que c'est pas très cher. En vrai, c'est pas très cher, les gars. Et après, il faut tester. Hein. Mais c'est dommage qu'il. Sur sa carte, c'est dommage qu'il a pas le 4 de geste technique. Ah, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Après, il faut lui mettre un style moteur, les gars. Franchement, moi je conseille parce que c'est une carte pas très chère. Ou sinon, pas très chère pour un POTM 85 000. Il faut tester, les gars. Donc il faut le faire. Hein. Moi c'est une carte à faire, donc voilà, c'est pas très cher en tout cas. C'était mon avis sur Andy Delors. N'hésitez pas à liker, commenter et à dire votre avis sur cette carte-là. Donc voilà, on se retrouve à tantôt pour un nouveau live. Pour Fut Champion, je vous laisse. Bonne vidéo à tous. Stay Liquid. Bye.